Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à mes deux viewers à ce stream Prison Architect et non pas Prison Break. J'espère que vous avez apprécié cet interlude musical français. Très bon. Alors, configurons tout ça. Pop, pop, pop. On lance le jeu. Alors donc, salut Rada, salut Bloodsam, salut The Prince. Donc c'est bon, hop, un petit coup de Alt Shift ou plutôt Alt Maison pour passer en QWERTY parce que le jeu ne gère pas des claviers AZERTY. Donc ce qu'on va faire, j'ai déjà commencé une prison, mais on va commencer une nouvelle prison. Donc, salut Zad. Donc, comme je disais, on va créer une nouvelle prison. On va créer une prison pour vous montrer tout le système de création. Donc, on va prendre une prison moyenne. Donc, on va garder la zone masquée, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de gardien, en fait, là, il y a un brouillard de guerre, quoi. Donc c'est un peu plus difficile, c'est plus sympa. Générer forêt en sand tap, ça fait chier parce qu'il faut abattre les arbres. Les lacs c'est pareil, bâtiment en sand tap. Condition d'échec, ça on le laisse. Comme ça on est viré de notre poste de directeur si jamais il y a trop d'émeutes, de morts, d'évadés, tout ça. Et après fonds illimités, non on va pas, c'est un peu trop simple sinon. Jouer. Voilà, je vois que ça discute des soldes. Alors, comment que ça marche? Donc là, je mets avec espace le jump pause pour vous expliquer d'abord comment ça marche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on voit la lettre du dirigeant. Voilà, l'affiliation, vous êtes à prison, un architecte de prison, blablabla. Il faut que tu construises une prison et que tu recrutes. Bah, on s'en tape. Effacer. Donc là, on a dans 23h55 minutes, on a 8 prisonniers qui arrivent. 2 à sécurité minimale et 6 de sécurité normale. On peut gérer les prisonniers qui arrivent en fait. Par exemple, je peux dire de foutre. Non. On peut régler. Donc là, en fait, il y a 2 prisonniers de sécurité minimale disponibles et 6 de sécurité normale. On peut choisir si on en prend plus ou moins en fait. Combien on veut en admettre. Donc là, comme c'est le début, je vais tous les admettre. On va mettre le ratio à fond de sécurité normale. Donc, plus ils ont de sécurité étendue, plus on a de revenus. Parce que oui, on gagne de l'argent à chaque fois qu'on accepte un prisonnier. C'est bien, Bloodsam a pris Grand Zéro. C'est un très bon. Tu mettras plus que 2 heures pour le terminer si tu veux faire toutes les missions secondaires. Tu pourras pas te faire refund. Donc là, on a 24 heures. On a 30 000 dollars. Et revenu quotidien 840 dollars. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je peux accepter en fait des subventions. Le mieux pour commencer, c'est le centre de détention basique. Ça va nous donner des objectifs. Donc on peut en accepter que 2 à la fois. Donc je gagne 30 000 dollars d'avance pour faire une prison basique, c'est-à-dire une cellule de détention, une douche, une cour, une cuisine, une cantine, embaucher 2 gardiens et 2 cuisiniers. Alors, The Prince, c'est un stream à moitié sérieux, à moitié enculage dans les douches, parce que je commence, donc je suis pas un spécialiste, mais je vais essayer de faire en sorte que ça reparte un peu en couille. Donc je suis loin d'être un spécialiste, je ne ferai pas un stream ZAD sur Crusader Kings 2, qui sont très intéressants, mais pointus. Donc là, comme je disais, j'ai gagné 30 000 dollars pour accepter de faire un centre de détention basique. Et si je réalise tous mes objectifs, je gagne 10 000 dollars de plus. Et je gagne 10 000 dollars de plus en acceptant de faire un centre d'administration, c'est-à-dire construire 2 bureaux, prendre un directeur, un directeur des finances et un comptable. Enfin non, plutôt débloquer les finances par le biais d'administration et justement embaucher un comptable. De quoi Bloodsam, il y a du français? De quoi tu parles de Grand Zeroes ou de
Ou de prison d'architecte. Qui c'est qui s'est mis à CK2? Moi non, moi j'ai le jeu, mais j'ai dû le lancer un peu, mais j'ai rien compris. Alors, comment qu'on va faire? Alors, les différents menus. Fondation, c'est pour créer un bâtiment, ça crée juste les fondations. Et derrière, en fait, on va choisir la fondation de quel type ça va être. Une cellule d'isolement, une cantine, donc voilà. Non, le jeu là, oui, Bloodsam, il y a du français, en fait, c'est un mode, à la base tout est en anglais, mais hop, en fait, dans les options, langue, et tu peux télécharger tous les langues via des mods. Il y a quelques petites coquilles, mais grosso modo, ça va bien. Ah, mais démarre pas le temps. Donc là, comme je disais, c'est les différentes salles, types de salles. Donc là, les matériaux, c'est pour construire des murs ou des sols différents. Salut Chatback, oui, j'ai pas encore commencé. Donc si on met du gazon dans notre prison, de la pierre, ça coûte de l'argent. Pour l'instant, on va faire une prison moche et fonctionnelle. Les différents objets, des portails, des chiottes, des lits, des tables, des télés. Le personnel, c'est pour embaucher des cuisiniers, des directeurs, des gardiens. Et après, on va débloquer des concierges, des jardiniers. Mais bon, faut débloquer les améliorations. Les services, on verra plus tard, c'est pour mettre l'électricité et l'eau. Les urgences, c'est pour appeler les pompiers, la police, donc les urgences médicales. Organisation, c'est si on veut planifier à l'avance, faire des plans. Et enfin, ça. Merde. Donc là, c'est si on veut déclencher une fouille, verrouiller toute la prison simultanément ou faire un confinement en cas d'évasion. Donc, comment qu'on va commencer la prison? Donc, je mets le temps en pause. Alors, on va faire donc bâtiment en briques. Comment qu'on va faire? On va commencer. Donc ça va être mes bureaux. Allez, on va faire un bureau 22, 23 pour faire un pair. On va le diviser en deux. Non, peut-être plus petit, ça sert à rien de le faire aussi gros. Allez, 19, 14, allez, c'est comme ça. Ok. Ouais, je mets le moins cher là, c'est comme tu dis, c'est une toile, hein. Merde, ils vont pas nous faire chier. Là, je vais faire. Attendez. Toc toc toc, parce qu'en fait, il faut respecter une certaine taille. Par exemple, si je veux faire un centre de détention, on voit qu'il faut que ça fasse au minimum 5 par 5, que ça soit clos en intérieur, mettre un chiotte et un banc. Donc 5 par 5, ok. Tac tac tac, bâtiment. Donc faut se rappeler par contre qu'on fait 5 par 5, mais c'est avec les murs, donc il faut mettre plus un de chaque côté quoi. Donc au pire, faut faire du 6 par 6 quoi. Mais c'est quand même petit, 6 par 6. On va faire un poil plus gros quand même, au cas où il y a des gens qui viennent. Allez, 10 par 13. Allez. 12 par 13, ça sera très bien. Donc là, il y a mes petits ouvriers qui vont commencer à construire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi mettre des portes. Des portes. Alors, je vais prendre les objets, par exemple. Une porte de prison pour ça va être ma cellule de détention. Et je vais mettre une porte du personnel pour ça, qui ça sera mes bureaux ça. Donc je vais la mettre de ce côté la porte. Donc là ils construisent et construisent. On accélère un peu. Faut se dépêcher, ils vont bientôt arriver, les mecs. Donc voilà. Donc voilà, les bureaux sont prêts.
Donc là-dedans, il faut que je fasse maintenant des bureaux. Alors, des bureaux, c'est quoi? Bureau, 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 bureau. Donc c'est du 4 par 4 au minimum. Donc pour ça, je vais prendre des murs en briques parce que j'ai fait... Donc 1, 2, 3, 4, donc 5. Donc normalement, c'est du 4 par 4. Hop. Donc je vais faire quelques bureaux, après je mettrai peut-être autre chose. On va commencer à faire ça. Et je vais mettre... Donc ça par exemple je dis que c'est des bureaux. Pop pop pop. Ah merde, les murs sont pas construits. Faut attendre que les murs se construisent. Bon, j'espère que le stream marche bien. Voilà, ça c'est bon. Donc là... Donc, salle, c'est une cellule de détention. Voilà. Et ça me dit qu'il... Donc ça c'est bon, il manque des toilettes et des bancs. Donc objet, banc. On va mettre deux bancs. Salut soleil. Et des chiottes, des chiottes, des chiottes. Allez, on les met où les toilettes? Allez, on les met dans les coins. Pour l'instant, on agrandira peut-être plus tard. Je vais continuer à agrandir. Bâtiment en briques. Donc là, je vais le faire assez gros. Donc ça va être ma cuisine. Là, je vais faire la cuisine avec la cantine juste à côté. Là, ça va être un entrepôt assez gros. Ah merde, y a mes mecs qui sont coincés. C'est con, ils ont même pas fait de port. Pop, pop, pop. Porte. Mettons une porte. Bon là, on voit qu'ils paniquent, ils sont bloqués en fait. Donc miraculeusement, ils arrivent à trouver une porte à l'intérieur. Et voilà, ils ont construit une porte, maintenant ils peuvent sortir. Ok, les murs sont faits, donc... Alors, maintenant on va faire des bureaux. Bureau, 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 bureau. Donc hop, ça c'est un bureau, ça c'est un autre bureau, et un troisième bureau, ce sera le bureau du directeur, on va dire. Donc il faut maintenant bureau, bureau, chaise et classeur. Donc ouais, qu'est-ce qui se passe? Passe Blood Sam, ça marche pas. Le stream ne marche pas bien. Donc j'ai dit, il faut un bureau. Il faut une chaise. On va la mettre dans ce sens. Et un classeur. Voilà. Et ça fait un joli bureau. Donc là on voit que l'électricité, donc il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de courant pour l'instant. C'est normal, on va le construire plus tard. Donc pas d'eau, pas d'électricité. Si on lance la prison comme ça, ils vont un peu râler les mecs. Donc on accélère, on construit. Ah c'est vrai qu'il faut une entrée là aussi. Alors objet, on va mettre une porte du personnel ici. Ici, il y aura aussi une porte du personnel. Et il y en aura une comme ça, vous allez voir pourquoi. Ok, ça c'est bon. Donc, alors ça va être ma cuisine. Ma cuisine, ma cuisine. Hop, comme ça. Ah merde, pourquoi il... Ah, il y a un décalage. Oh bah tant pis. Tant pis, c'est pas bien grave. Au cas où je démolirai le mur. Alors la cuisine, il faut une cuisinière, un frigo, un évier. Donc un frigo. On va mettre deux, on va prendre un peu d'avance. La cuisinière. Hop.
Allez hop, deux cuisinières comme ça. Et il manque les éviers. Voilà, on va mettre un évier. En attendant, on va faire bâtiment. Un truc un peu gros. Ça va être la cantine elle-même. Pour mes joyeux prisonniers. Alors, j'ai 35 000 dollars, tout va bien pour l'instant. Donc, on voit là mes petits ouvriers qui amènent les bureaux, qui jettent les poubelles. Ok, ça c'est construit. Donc, je vais me servir de cette zone pour faire une zone de stockage. Et je vais mettre service. Donc une centrale électrique et une station de pompage parce qu'il faut de l'eau et de l'électricité. Ah si, hop, service, il faut des condensateurs pour pas disjoncter. Donc plus on va mettre de condensateurs, moins on a de risque de disjoncter. Donc pour l'instant on va mettre deux et au fur et à mesure on en mettra de plus en plus. Prérequis de la salle. Donc voilà, ça c'est ma zone de stockage. Est-ce que je mets une porte de ce côté? Ça risquerait d'être un point faible de ma prison si les gens venaient. Mais on va peut-être en mettre une. Peut-être remettre une porte du personnel juste pour qu'ils puissent récupérer plus facilement les arrivées de matériaux qui sont de ce côté. Salut Gibo! Si, attends, Rada, je vais mettre une clôture. Mais pour l'instant, je construis. Je mettrai la clôture en dernier. Salut Marley! Donc pour l'instant ma prison avance, elle avance. Donc là j'ai la zone de détention, les cuisines, la cantine qui va se faire là. Il me reste 17 heures, les bureaux, la zone de stockage. Alors ce que je pourrais faire ici, ça va être une zone de repos. Par contre, pour que les employés puissent se reposer, parce qu'ils sont trop fatigués, s'il est les gardiens. Ou les cuisiniers, ben, s'ils tombent de fatigue, ben, ils avancent plus. Après, ils risquent d'avoir des évasions. Donc, la salle du personnel, c'est minimum 4 par 4. Donc, on va prendre matériaux, mur en briques, 4 par 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va faire une salle de repos comme ça. Et on va mettre une porte. Donc, ça sera ma salle de repos. J'ai juste annulé la porte. Je vais la mettre ailleurs parce que on va la mettre là, la porte. Hop, mur en brique, et là on va faire un mur. Ok, donc là, il commence à y avoir la centrale électrique qui est installée. Ça, c'est bien. Donc, on peut la mettre sur on. Donc dans l'eau il devrait y avoir du jus. Ouais, c'est bon, il y a du jus. Alors maintenant qu'il y a du jus, donc tout va bien sur le chat, pas de questions. Gibolata, oh bravo. Service. Donc là, on a du jus dans cette zone. Maintenant, faut l'amener dans toutes les autres zones de la prison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, on prend un câble électrique et on tire. Donc on tire comme ça, on va tirer comme ça. Et on va voir ce que ça fait déjà avec ça. Hop. On va commencer comme ça. Ok, donc là, ça va être ma cantine. Alors, la cantine. Alors, porte. On va mettre une grande porte de prison parce que là, les prisonniers vont venir manger. Donc, on va mettre là. Salle, on va mettre cantine. Ah merde. Oh. Voilà, ça c'est ma cantine. Donc maintenant il faut des tables de service, des tables et des bancs. Alors hop, j'ai
table de service, donc c'est là où les prisonniers vont venir chercher à manger, se servir eux-mêmes. On va mettre deux tables de service ici. Et on va mettre des tables. Donc on va les coller. On va commencer tranquillement d'agrandir au fur et à mesure. Et des bons. Hop. Ça va être un peu serré, mais c'est pas grave. Ok, ça c'est construit. Maintenant, on va faire la prison elle-même. Alors, paf, 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 c'est ce qu'il y a qui me manque. Donc j'ai la douche, j'ai il me manquera, oui, la douche je l'ai pas encore, je vais la construire. Une cour, on va la faire au milieu. Deux gardiens, donc là c'est vraiment près la prison où vont loger les prisonniers. Parce que en fait, pour faire une prison basique, il faut juste une cellule de détention. Mais si on commence à les mettre là, ils vont assez râler parce que là ils n'auront pas de quoi dormir. Donc il faut faire des cellules individuelles. Ils seront plus contents. Donc bâtiment en briques, comment on va faire? On va laisser un peu de place. Si jamais je dois m'agrandir. On va faire une bonne grosse zone. Ça sera ma prison. Et après, hop, on va faire un truc là. Là, on va dire que ça sera les douches. 10 par 10. Ouais, allez, 12 par 12. J'aime bien les chiffres pairs. Voilà. Donc ça sera la zone des douches et la zone des les cellules. J'ai 20 000 dollars. Bon, ok, ça va le faire, ça va le faire. Il reste 14 heures. Ouais, pour l'instant, il n'y aura pas de gang. Enfin, on verra. Ça construit bien. Donc là, ils peuvent venir chercher des matériaux. Tout va bien. Il n'y a pas de courant pour l'instant, mais c'est pas grave. Faudra mettre de l'eau aussi. Bon, 14 heures. Allez, on va accélérer un peu. Ah, par contre, j'ai oublié pour la zone de repos. J'ai dit que c'était quoi déjà? Dans des salles du personnel. Ok. Ah merde, 4 par 4. Ah, je me suis chié, c'est du 4 par 4. Et là, ça fait pas au minimum 4 mètres. Ok, c'est pas grave. On va démolir. Je me suis un peu planté sur ce coup-là. Démonter. On va démolir. On va juste démonter objet. On peut pas virer la porte? Merde. Bon, là, il y a du jus déjà. C'est pas mal. Comment je vire cette putain de porte là? Ah. Tâche en attente, démonter. Ok. C'est bon, apparemment ils vont la démonter. Bon, plus que 11 heures, c'est assez mal barré pour l'instant. C'est assez mal barré, parce que là, il n'y a rien qui est construit. La cantine est prête. Maintenant, on va mettre de l'eau par contre. Parce que là, hop, service, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les chiottes. C'est pas bien. Donc là, il n'y a pas de jus non plus là pour ça. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Cas où on va tirer un câble. Hein. On va tirer un câble là. Et il faut mettre de l'eau. Alors, les l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer en grand tuyau pour l'instant. Comme ça jusque là et on va mettre un petit tuyau qui fait ça parce qu'après il faudra tirer un tuyau par là pour aller dans la prison parce qu'eux ils voudront des chiottes dans les dans la prison. Ok, ça construit, ça construit.
Donc là, on voit que pour niveau électricité, je suis à peu près à moitié, donc j'ai encore de la marge. Salut Adrien! Allez, plus que 9 h là, c'est mal barré pour accueillir les prisonniers pour l'instant. J'ai peut-être vu un peu trop gros pour commencer. Donc là, il va falloir par contre que je mette une porte. Donc je vais mettre une grande porte. On va mettre deux aux extrémités. Ok, la zone est construite, ça c'est bon. Ok, il me reste 7 heures. Oui, je pourrais entasser les prisonniers de la cantine ou dans cette salle, mais bon, on va essayer quand même de faire les choses un peu correctement. Donc là, j'en ai 8 qui sont en attente. Alors, service. Maintenant, faut que je mette de la lumière. Hop, on va. Faut tirer un câble par là. On va commencer à s'éteindre par là. Ça devrait suffire. Et de la lumière qui va par là. Ok. Ah oui, il faut une entrée là aussi dans la salle de bain. Objet. Grande porte. Hop. Donc là, c'est là où va se passer toute l'action avec la savonnette. On toujours pas virer cette porte là. Hop, démonte. Allez, plus que 6 heures, plus que 6 heures là. On va commencer à construire les cellules. Alors, mur de briques. Alors, qu'est-ce que c'est une cellule? C'est du 2 par 3. Faut que ça soit clos avec un lit et un chiotte. Alors on va faire des murs, murs de briques. Comment on va faire ça? Hop. Deux. Un, deux, trois. Ok, voilà. Donc ça va être une cellule. Hop, 1, 2, 3, tac. Donc du 3 par 3. Donc là il y aura une porte là, une porte là. Je me suis chié. Hop. On enlève. Un, deux, trois, un, deux. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. Tac, une autre là. Ok. Hop. Non. Ah! Ah non, il m'a tout effacé, non? Non, quand même pas. Merde. Je vais voir s'ils m'ont vraiment tout effacé ou quoi. Là, il commence à tirer les tuyaux. Oh, ça risque rien, la cellule du bas, t'inquiète. Putain, plus que 5 heures, là, ça commence à être un peu tendu. Ah, c'est bon, il construit des murs. Ouais, non, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc là, porte. Donc là, ils n'ont pas encore tiré les câbles électriques. Tout va bien, tout va bien. La prison ouvre dans 3 heures. Rien n'est prêt.
C'est pas grave. Ok, donc là c'est à peu près bon par là. Tant pis, d'un premier temps, on va aller faire entasser là-dedans. Il reste que 2 heures. Donc là, il faut faire les derniers préparatifs. Oh, ça c'est prêt. Donc ça, nickel, les douches c'est prêt. Alors, salle. Salle, douche. Ça c'est les douches. Et il faut des pommeaux de douche. Hop, j'ai pommeaux de douche. Allez, la savonnette, elle va bientôt glisser. Alors, par contre, on est complètement à l'arrache. On est complètement à l'arrache. Il me faut pas de mur d'enceinte, c'est trop cher pour l'instant, des clôtures. On va le faire complètement à l'arrache. On va fermer ça par là. Hop, hop, hop. Putain, il m'a annulé. Clôture, clôture. Voilà. Ça, c'est bon. Il me faut une grande porte de prison. On va la mettre ici. On va faire deux sas. Et l'autre, on va la mettre ici. Ouais, c'est pas symétrique, mais j'en ai rien à foutre. J'ai combien d'heures dessus? J'ai 4 heures de jeu à peu près, je pense. Je l'ai acheté l'autre jour pendant les soldes. Et là, je finis le mur. Donc là, c'est à peu près fermé. C'est pas symétrique, on s'en a rien à foutre. Y a pas de jus là dans les cellules là-bas. Y a rien qui est fini. Ils vont râler, les connards là. Ok, ils arrivent dans 1 heure. Alors, par contre, personnel, je vais embaucher. Deux cuisiniers, un directeur et 4 gardiens. J'ai 10 000 de trésorerie. Allez, on y croit, on y croit. Ah, c'est complètement du travail de Rouen. Là, normalement, j'ai quasiment. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas construit la cour encore. Ouais, c'est pas grave, ils iront pas. Bon, il y a les prisonniers qui arrivent. Ma prison n'est pas fermée. C'est parfait. Il y a rien qui est construit. On va juste ralentir maintenant le jeu un peu. On va le mettre à 2 crans. C'est n'importe nawak. Mes ouvriers qui sont là, qui sont en train de construire. De mettre de l'eau pour les chiottes. Et les autres, ils ramènent les prisonniers, quoi. C'est parfait. Ok, donc ils sont tous là. Bon alors, qui c'est qu'on a? Paul Schisslet Trim, qui est condamné à 12 ans pour accident mortel, sécurité normale. Donc il a purgé 10 ans sur 12. Alexander. Vol de véhicule avec violence aggravée. Ouais. Agression, violence à réunion, vol de véhicule. Oh putain, lui il est beau. C'est un bon lui. Brandstedt. Gary est design engineer. Ouais, il y a des trucs qui sont pas traduits. Condamné à 2 ans pour municiper le crime, incluant dégradation, faux témoignage. Ok, donc là on peut choisir en fait s'il est en sécurité minimale, normale, maximale, s'il faut le surveiller, s'il faut le fouiller, faire des fouilles au corps. Garrett double Marshall. Donc là encore, on n'a pas les. Pire quand même. J'ai pas le droit encore de prendre les mecs. Sanction. Probabilité de récidive 48%. Il nous a fait quoi celui-là? Faux témoignage. Ok. Donc activité en cellule, inactivité, bonne humeur. Ok. Ouais, la traduction est parfois approximative. Tu sens que ça doit être dans un fichier de texte, tout ça. Et ils mettent pas trop d'espace, quoi. Bon, ok. Donc ils ont un banc, ils ont des chiottes, donc ils sont contents pour l'instant. Hein. Qu'ils fassent pas chier. Donc là maintenant, à partir de maintenant, les portes se ferment automatiquement. Et il faut qu'il y ait un gardien qui soit à côté pour fermer la porte. Sauf que là, elle a pas l'air de fermer, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il y a une pile d'objets au milieu.
Donc il faut que les mecs la virent. Alors, il est... Ah non, par contre, admission prisonnier, je vais fermer l'admission parce que là j'ai plus de place. Donc on fera une admission de prisonnier. Ah, je peux prendre un prisonnier de sécurité maximale à la limite pour bien foutre le bordel. Donc on va prendre une admission, un mec sécurité maximale qui va foutre le boxon dans ma prison. Ok. Donc là, ma porte a été démontée. Salle, je vais prendre en fait n'importe quoi. Ça, je vais enlever. Donc je vais faire une salle du personnel. Donc salle du personnel, j'ai dit salle du personnel, c'est du 4x4. Alors. Ouais, c'était pas terrible la pile de briques à côté posée sur la porte, quoi. C'est génial. Ma prison ne ferme pas. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 4x4. On va faire comment là, on fera peut-être un bureau. Donc ça va être ma salle de pause. Porte, 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 porte. Voilà. Salut Captain. Captain Cool. Ok. Oh, c'est bon, lui il a viré sa pile, la porte se ferme. Parfait. Donc mes prisonniers sont là, ils attendent, ça c'est construit, il n'y a toujours pas de jus là. Service, pourquoi? Je n'en sais rien. Ah oui, parce qu'en fait il manque un petit bout. On va peut-être construire quelques cellules en 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc pour l'instant je peux mettre 6 mecs. Je peux mettre 6 mecs, mur de briques. Attendez, comment je vais gérer le truc là? Hop. Ok, on va faire. Ah merde. Hein. Non, 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 non. Ok, comme ça. Ok, 2 par 3 et on va mettre une porte comme ça. Bon, 13 000. Touk touk touk, maintenant salle, cellule. Ok, il manque des lits et des chiottes. Objet, lit. Lit, lit, lit. Allez, on va me foutre le lit à l'arrache. Et les chiottes. Allez, on est gentil, on va pas mettre les chiottes à côté de la tête de lit. Quoique, elle est de quel côté la tête de lit en fait? Je crois que je les ai foutues en l'envers, les lits, c'est pas grave. Allez, on va foutre les chiottes en face de la porte. À côté de la tête de lit, c'est pas grave, ça pue un peu. Donc ma prison est fermée, il devrait pas s'enfuir, ce qui est plutôt pas mal. Ah oui, par contre j'ai oublié de régler leur emploi du temps. Donc je peux régler l'emploi du temps. Alors là c'est quand ils vont dormir. Là on est maintenant, donc là c'est temps libre. Cantine 2 fois par jour. On va dire que ils vont prendre une douche de 2 heures. Merde. Voilà. Ah putain, comment supprime? Parce qu'en fait, parce que je peux régler en fait l'emploi du temps en fonction des niveaux de sécurité. Et là pour tout le monde en fait, on va faire le même pour tout le monde. Douche, cantine, bah, cour, je l'ai pas toujours construite, donc faudrait que je la construise. Donc on va foutre temps libre pour l'instant. Allez, temps libre là, cantine. Cellule, et là ils iront en cellule et après ils iront dormir. Non, on est trop gentil là, cellule, temps libre ça va bien. Hein. Cellule, un peu de temps libre, ah, merde, c'est l'atoll aussi, on va pas. Ouais, 2 heures de douche, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, c'est vrai, ouais. 2 heures de douche, ça sera cellule à la place. Hep. T'as raison, Adrien, c'est l'atoll. Hein. On sait jamais, ils peuvent s'amuser pendant les douches. Bon, c'est qui le connard qui doit me brancher le jus là?
Pourquoi j'ai pas de jus là? Comment ça se fait là? Câble électrique, pourquoi j'ai pas de câble? Peut-être que j'ai voulu déplacer le câble en fait. Ok. Alors par contre, vous voyez, là le brouillard de guerre en fait, c'est ça. Donc là, il n'y a pas de gardien qui est venu récemment, donc je sais pas ce qui se passe. Donc il pourrait s'enfuir, j'en ai aucune idée. Donc pendant ce temps, il y a deux gardiens qui circulent dans la cantine alors qu'il n'y a personne. C'est parfait. Je voulais finir ma salle de pause. Alors ma salle de pause. Salle. Parce que sinon, il y aura mes gardiens qui vont être fatigués après. Salle du personnel. Canapé large et distributeur de boissons. Ok. Donc il faut que je mette objet un canapé large. Où c'est qu'il est? Canapé large. Hop, on va le mettre comme ça. Et un distributeur de boissons que je ne vois pas. Cabine téléphonique, arroseur. En fait, il y a beaucoup d'objets. Ils sont pas. Ah voilà, il est là. Il était caché. On va le mettre comme ça. Je crois que je l'ai mis à l'envers en plus. C'est pas grave. On s'en tape. Bon, là ils construisent les cellules. Ah oui, merde. Donc là en fait, on voit que l'ouvrier est bloqué parce que donc c'est fermé. Et il faut qu'il y ait un gardien qui vienne l'ouvrir. Sauf que je ne sais pas où ils sont, ces putains de gardiens. Donc là, il y en a un qui est là déjà. Mais il va voir. Va voir un peu à l'intérieur ce qui se passe. S'il faut, ils sont tous. Non, c'est bon, ils sont pas barrés. Donc après, il y a deux gardiens là qui sont là. Et putain, mais allez un peu. Allez un peu à l'intérieur, c'est pas la peine de. Les mecs, ils sont tranquilles là devant. Ah, faudrait que je fasse une cour. Bah, attendez. Cour. Sale. Une cour. Donc, c'est du 5 par 5, c'est sécurisé. Hop, on va faire une cour de 12 par 12. Allez. Ça va être une bonne cour. Je vais mettre du barbelé autour. Une clôture. Hop, je clôture tout ça. Ouais, je règle, c'est bon. Salut Couchotte, le problème d'électricité, je vais le faire. Pop, la porte, allez où la porte? Moins, j'ai pas besoin de tout ça, grande porte. Hop, et il me reste 10 000 dollars. Ça va le faire. Donc là, c'est quoi? Donc là, c'est temps libre. Hop, c'est bientôt l'heure de bouffer. Donc là, on voit en fait là que donc il y a le nombre de prisonniers et le nombre de repas qui est prêt. Donc là, le nombre de repas est égal au nombre de prisonniers. Tout ça, tout va bien. Ils vont avoir bouffé. Putain, mais pourquoi j'ai pas de jus là? Il se passe quoi? Ils sont pas encore, ils sont pas venus installer le jus en fait. Je sais pas pourquoi. Faut qu'ils viennent quoi. Putain, mais ils se sont barrés les prisonniers là? Qu'est-ce qui se passe? Oh! 1, 2, 3, 4. Oh putain! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok, 6, 7, 8. Bah, mais bâtard! Ah non, c'est bon en fait, ils vont dans leur toile. En fait, j'ai rien dit, ils vont directement dans leur cellule. Ils sont cons en fait. En fait, c'est quand même un con parce qu'ils sont allés automatiquement dans leur cellule. Ok. Alors qu'ils vont râler parce qu'il n'y a pas d'eau par contre. Il n'y a pas d'eau donc. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de jus. Donc, ok. Il y a South qui vient automatiquement dans sa cellule. Soit. Faut juste que je mette de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau pour l'instant. Il n'y a pas de jus, il n'y a pas d'eau. C'est cool. Donc une canalisation. Donc on va tirer une grosse canalisation. Comme ça. Et on va mettre un petit tuyau
comme ça. Et pareil ici. Ah, l'électricité arrive. Oh putain, ça a disjoncté. Il n'y a plus d'électricité dans ma prison. Donc là, toutes les portes sont fermées. Ouvertes, ou je ne sais pas. J'ai disjoncté. Putain, c'est la merde, c'est la merde. Il n'y a rien qui marche. Donc là, il faut que je prenne un condensateur. Je vais mettre... j'ai combien? 19 000 $, ça va, j'en mets deux de plus. Putain, c'est la lousasse, c'est la lousasse. Ok, c'est l'heure de la cantine, mes prisonniers ils sont là, mais il n'y a plus rien qui marche. Donc lui il va aller chercher. Il faut que tu ouvres la porte là aussi. Ok, donc lui il les amène, c'est bon. Mais comment il rentre là? Oh! T'es pas censé passer par là toi! Putain, ça commence bien là. Ok, c'est bon, il a installé le truc. On peut. Ok. Oh putain, je suis plein là. On voit que là, je suis prêt disjoncter encore. Donc, faut vite rajouter un autre condensateur. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ils sont tous là. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Les cellules sont presque prêtes. Donc, il y en a presque 8 qui sont prêtes. Donc des lits, il me faut des lits, des lits. Ah merde, je me suis planté. J'ai le droit pour annuler. Je me suis planté, faut mieux mettre le lit là. Parce que là j'ai la canalisation qui passe, donc là on va mettre les chiottes. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Ah c'est vrai que j'ai pas d'eau dans les douches. J'ai pas d'eau dans les douches, c'est pas terrible. Donc là, on a mis la canalisation qui passait par là. On va mettre une grosse canalisation qui part comme ça. Et on va mettre petit tuyau comme ça. Et comme ça. Bon, ils auront peut-être pas d'eau pour demain. Donc là c'est l'heure de la cantine, ça va, 2 heures de cantine, après c'est cellule. Ok, tout va bien, tout va bien. Là faudrait que je débloque les finances aussi. Alors c'est comment qu'on débloque les finances? Je sais pas quand la partie s'arrête pour l'instant, j'ai pas encore fait. Donc là 500 $, donc pendant 6 heures. Ça va faire de la recherche, je vais débloquer le comptable et après je pourrais faire expansion de terrain pour acheter des terrains à côté, accepter des subventions en plus, voilà, donc ça débloque des compétences. Un comptable qui peut en fait m'avoir 15% de moins sur l'impôt, c'est pas mal. Donc on va faire pour l'instant la finance, après on fera peut-être la sécurité, peut-être la santé parce que s'ils n'ont pas de psy, ils sont pas contents les prisonniers. On verra. Ok, on continue. Mais il faudra gagner de l'argent aussi. Parce que pour l'instant, faut pas être en faillite. Donc ils ont tous fini de bouffer, ça va. Et là, on passe en cellule. Ok, donc il faut aller ouvrir la porte. Et il faut les ramener dans leur cellule. Alors, est-ce qu'ils sont tous là? Mais... Putain, il y en a deux qui veulent passer de l'autre côté. Oh! C'est par là! Mais putain, mais... Oh! Faut pas par là qu'il faut passer. Ah oui, parce que eux en fait ils passent par là parce que leur passe-manding, comme les deux cellules là sont pas prêtes encore, ils veulent revenir dans celle-là de cellule. C'est pour ça qu'ils passent par là. Donc ils veulent pas. Ouais. Soit, 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 soit. Oh! Il y en a un qui est pas rentré là. Ok. Là c'est bon. Donc la cour est terminée. Pour qu'ils soient contents. Alors, ce qu'on va faire, cellule, on va mettre. Merde. On supprime. Pop, pop, pop. Cours.
On va mettre 3 heures de cours. Et on va mettre, parce que je suis sympa, et que sinon ils seront pas contents, 2 bains de muscu. Ok, il n'y a toujours pas d'eau, donc ils vont un peu râler par contre. Donc là, c'est l'heure d'aller en cours. Même si j'ai pas fini d'installer encore tout ce qu'il fallait. Allez! Même si j'ai pas encore fini d'installer les bains de muscu, c'est pas grave. Tout va bien. Donc là, ils sont un peu comme des cons, tous devant l'entrée. Il y a mon ouvrier qui passe pour installer son banc. J'espère juste que ça va pas se trucider là. Ok, donc là, tout est fini. Donc il y a de l'eau, presque. Il y a presque de l'électricité. Service, on va rajouter un condensateur avant de tomber en panne là. Ouais, 2 bains de muscu, ça leur suffira, on verra plus tard. Donc les repas sont prêts, ils ont presque de l'eau dans les chiottes. Ils ont pas d'eau dans la douche. C'est pas grave. C'est en cours. Et on a jusqu'à demain matin. Faudra juste que je fasse une cellule en plus pour le mec qui va arriver. Mais on a 14 heures devant nous. Donc pour l'instant on a visé assez grand, il nous reste 15 000 dollars, tout va bien. Ils sont tous là, ils sont tous tranquilles. Tout va bien. Ça fait un peu prison tchétchène comme tu dis, mais tout va bien. C'est justement pour ça que j'ai amené un prisonnier supplémentaire de sécurité maximale qui pourrait venir à venir mettre l'ambiance. On va juste construire une cellule supplémentaire. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de mettre hop, salle, cellule, donc ça. Ça, faut que je dise que c'est des cellules. Mur en briques. Attendez. 1, 2, 3. Hop, et porte. Pour l'instant, les prisonniers, je crois qu'ils peuvent pas avoir de boulot, mais après, je peux le débloquer, justement. Ok, là, c'est fini. Donc là, c'est temps libre. Il faut qu'ils reviennent à l'intérieur. Oh, le gardien, là, t'as rien à foutre, là? Va voir les mecs. Ok. Va voir, là, il y a un brouillard de guerre, là. Va voir ce qui se passe. Ok. En fait, non, c'est pas temps libre que je veux foutre, là. C'est pas temps libre. Hein. Non, 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 c'est cellule, hein. Cellule, et allez vous faire foutre. Hein. Vous restez à l'intérieur. C'est fermé. Ta 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 ta. Voilà. Voilà, cellule, comme ça, ils sont fermés, ils bougent pas. Et allez vous faire foutre. Ok, c'est l'heure de bouffer. Bon, il est où mon gardien? Il est où mon dernier gardien? Putain, il est passé où? Toi, viens là. Non, mais ils sont gentils là pour l'instant. Ils ont pas, ils prennent pas les couteaux. Pourquoi j'ai pas d'eau là? Pourquoi j'ai pas tout là, parce que ils ont pas fini de construire apparemment. Ah, ils ont pas fini de construire en fait. Oui, effectivement, ils ont pas fini de mettre les tuyaux. Bon, on voit que lui commence à être fatigué en fait. Donc lui, ce qu'on va faire, s'il commence à être fatigué, on va l'envoyer dans le truc.
Et on va envoyer un autre gardien pour. Là, lui aussi, il a rien à foutre là. Viens là. Donc lui, il est en salle de repos normalement. Voilà, là, il se repose. Non, c'est censé remonter. Je me suis pas trompé. Non, non, c'est bon, salle. Celle du personnel, non, c'est ça. C'est pas une cellule d'isolement, non, non, c'est ça. Non, il devrait se re... Ah, mais il vient te reposer, oh! Repose-toi, je dis repose-toi. Ouais, repose-toi. Ok, Putain, mais y a aucun gardien. Mais va pas les surveiller, toi! Attends, putain, mais reste à l'intérieur. Ok, c'est lui, allez. Allez, tout le monde rentre. Tout le monde à l'intérieur. Bon, il y en a deux qui pourront pas chier ce soir, hein, c'est pas grave. Enfin, si, mais ça va pas s'évacuer, quoi. Ok, donc ils sont fermés. Donc, tu peux aller te reposer. Allez, tout le monde va. C'est l'heure du repos, je renvoie tous mes gardiens. Non, ils sont censés se reposer là. Ouais, on voit bien que ça diminue la fatigue là. Mais toi, t'es fatigué encore, viens là. On va dire que tout se passe bien. Ah merde, j'ai mis en pause. Tout va bien, tout va bien. Donc, un sang épuisé. Donc, apparemment, il y a un mec qui est fatigué. Ah, c'est bon, j'ai débloqué le comptable personnel. Un comptable. Voilà. Un comptable, il a son bureau. Ça, c'est bon. Donc, c'est bon, lui, il est reposé. Il est d'attaque. Lui, il est fatigué, donc on va l'envoyer. Lui, pareil, il est fatigué. Le directeur, il est fatigué, donc on va l'envoyer en salle de repos. Non, il a pas l'air d'avoir envie. Ah, il n'y a pas d'horaire de nuit, non. Salut, Cécile. C'est H24 ici. Voilà, normalement ils sont censés pioncer maintenant. Ah, par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de flotte. Putain, mais. Mais que se passe-t-il? Bon, on va peut-être envoyer un gardien dans les cellules, histoire de voir ce qui se passe. Ils sont censés pioncer, mais bon. On sait jamais. Oui, c'est vrai que déjà ça se passe mieux que Don't Starve, hein. Donc là, il y a un nain qui vient en pleine nuit pour installer la canalisation. C'est normal. Eh, au moins, ça se passe bien. Merde. Voilà. Donc déjà, il y en a un qui a de l'eau. Ah oui, par contre, ce que je devrais installer, hop, j'ai des lumières. Parce que là, on n'y voit que dalle. Foutre comme ça à l'arrache.
C'est pas symétrique, c'est à l'arrache complet. Ah merde, il y en a un qui veut rentrer là. Ah, et puis on se... Oh, gardien. Viens là, on a besoin de toi. Ok, il prend sa... Il prend sa canalisation, il va l'installer en pleine nuit. Ok, parfait. Au moins, il aura de quoi pisser pour le matin. Ok, nous sommes le jour 3 et nous n'avons pas pour l'instant de d'évasion. Donc il y en a qui vont se reposer, c'est normal, ils sont fatigués. La salle du personnel est là, fait son office. Qu'est-ce que je pourrais faire là par contre? J'ai 16 000. Je suis pas loin de disjoncter. On va rajouter deux disjoncteurs. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, visiteur, il y en a qui attendent, mais j'ai pas de parloir. Je n'ai pas de parloir. Est-ce qu'on fait un parloir? Fait-on parloir? Je les emmerde pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais prendre alors? Donc là, je peux prendre des subventions supplémentaires. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, bloc cellulaire A. Les blessés ont la temps de construire un premier bloc cellulaire. Débloquer finance, bah ça je l'ai fait donc déjà. Donc ça je l'ai fait donc on va le prendre parce que normalement. Capacité de prisonnier à 15. Bon pour l'instant je suis pas à 15, je suis pas mal. Alors santé, bien-être. Construire une salle médicale, deux médecins et un psychologue. Ouais. L'entretien est important. Recruter le personnel nécessaire pour garder votre prison propre et ordonnée. Donc là, c'est la maintenance. Qu'est-ce qu'on fait? Droit de visite. Une salle de visite. On les emmerde pour l'instant, les visiteurs. Plus ça rapporte pas, c'est que 10 000 dollars. Des points faibles avec un président de la sécurité. Embaucher un chef de la sécurité. Ouais, et il faut terminer le centre basique formation. Bien-être du personnel. Investissement à long terme. Est-ce qu'on fait un... Allez, on investit à long terme ou à court terme? Ouais, on va faire autre chose. Je sais pas, vous votez pour quoi là? Qu'est-ce que je fais? Le droit de visite, la santé, l'entretien, la formation. Une salle de formation en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout de... Quoique 55 000 dollars quand même, ça rapporte. Ah, ouais. Recruter 10 gardiens, droit de visite, ouais, mais ça va coûter cher ça. Allez, on va faire la santé. Ok, tous mes mecs pioncent. Y en a qui se reposent, tout va bien. Les cuisiniers sont pas fatigués. Il faut que j'augmente ma capacité de production de prisonniers. Enfin, il faut que je passe à 15. Ok, on va construire. Construisons des cellules. C'est combien déjà? On va les entasser là. Hop, 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 annule. En plus, après, je crois qu'il y a une amélioration pour débloquer parce que là, c'est forcément du 2 par 3. Et après, on peut débloquer une amélioration qui passe pour une cellule à 2 par 2. Donc, c'est vraiment petit. Et comme ça, on peut entasser encore plus de prisonniers. Salle, objet, porte. Donc là j'aurais pu les entasser encore plus, je sais pas pourquoi j'ai fait un couloir. C'est pas grave. Pour la prochaine rangée, on va les entasser encore plus.
Quelle heure? 4h du mat. Tout va bien. Allez, quelle heure? 22h07. Ouais, ça va, donc un peu de temps. Le directeur vient de se reposer. Donc après, il faut que je construise une salle médicale. Alors, on va recommencer par regarder. Alors, une salle médicale. Elle est où la salle médicale? Qu'est-ce que je pourrais construire après? Une salle commune pour... Ouais, une salle de détente des prisonniers, on verra plus tard. La salle médicale. L'infirmerie. Bloqué, vous avez besoin de santé. C'est pas ça la salle médicale? Chambre médicale. Merde, c'est vrai que je tape. Salle du personnel, salle commune, salle de formation. Ah oui, je sais. Je sais, je sais. Parce qu'en fait, j'ai pas débloqué la santé. Donc, on va débloquer la santé. Et après, il faudra aussi débloquer la psychologie. On va faire les deux, ça coûte 500$, c'est pas des masses. Ça construit, les mecs pioncent à côté, ça a pas l'air de les déranger. Ok, ça c'est fait. On va mettre maintenant. Hop, hop, hop. Le lit. Et les chiottes. Les chiottes, c'est bon. Service, il faut juste mettre. On va tirer le tuyau. Voilà. On augmente notre capacité. Ah merde. Ils sont bloqués. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien. Donc, un mec arrive, sécurité maximale dans 2 heures. Donc, c'est quoi déjà l'emploi du temps? Encore à 7 heures, cellule et après, c'est douche. C'est l'heure de la savonnette. Oh, va ouvrir la porte, toi. Ok, tout va bien. Tout est prêt à la queue pour accueillir l'autre mec. Hop, par contre, salle, donc cellule. Ah tiens, j'ai oublié de mettre des meubles ici. Je vais le faire de suite. Un lit. Ah merde, je l'ai mis au mauvais endroit, c'est pas grave. Voilà. Service, non, c'est bon. Va ouvrir là. Ça construit, ça construit. Bon, ça se passe pas trop mal. Pas d'émeute pour l'instant. En même temps, on est qu'au jour 3. Les mecs, ils pioncent encore, hein, tranquille. Ces cellules, ils sont toujours pas levés. Ah, admission de prisonnier. Il arrive. Et là, c'est l'heure de la douche pour les autres. Allez, va ouvrir. C'est quoi ce pathfinding de merde? Pourquoi il passe par là? Là. Alors, qui c'est qu'on a là? Duncan, Matt Collet, Colin a 22 ans pour vol à main armée, sans espace. Famille, épouse, 38 ans. Donc,
22 ans, il en a purgé 14. Sécurité maximale. Il a l'air bien chaud, le mec. Réputation, activité en cellule. Sanction. Ok, donc on va l'amener dans sa cellule. Donc les autres, c'est l'heure de la douche. Oh, tu vas toi. Oh, va à la douche. Sauf que tu vois, j'aurais dû mettre 2 heures de douche. Parce qu'en fait, le temps que je les amène et tout, il s'est déjà passé 1 heure en fait. Ça déborde un peu. Donc ils sont tous là, 4 et 4 et 8, tout va bien. Allez, à poil! À poil! Déjà, ils ont fini leur douche? Ils ont pas envie de se laver, les autres, apparemment. Douche, allez, restez là. Et utilisez la savonnette, hein. Salut, Foudlou. Oh putain, oh, y'a Duncan machin qui se pointe là. Donc, lui, c'est sécurité maximale. Il va mettre l'ambiance dans la douche. Allez, ouvre la porte. Alors, pour demain. Oh putain, pour demain, il y a 14 mecs de sécurité maximale qui se pointent. non. Non. On va peut-être pas en prendre autant. On va peut-être en prendre 3. Attendez, je suis à combien là? Je suis à 8. 1, 2, 3. Pour l'instant, j'ai. Merde. J'ai 14 de 14, donc je suis à 9. Je peux en prendre 5. Je peux en prendre 5 demain. Allez, 5 maximal. Ça va foutre l'ambiance. Ça va se frayer dans la douche. Mais... Il pense à quoi lui là? Drugs. Ok. Apparemment, lui il en manque là. Tiens, pourquoi j'ai pas d'eau là? Ah non, mais c'était le jus, je me suis planté là tout à l'heure. Il manque des tuyaux. Ok, c'est l'heure de la cellule. Oh, gardien, viens là. Attends. Non, c'est bon, il peut y aller. On va ouvrir. Est-ce que j'ai débloqué par contre le. Personnel, non, c'est pas fini. 32 minutes encore pour débloquer la santé. Allez, un toll. Putain, il va où là? Attends, 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 rien. Ah, c'est bon, il va direct dans sa cellule. Je me méfie là. Allez, ok, ils sont tous dans leur cellule, tout va bien. C'est quoi ça? C'est ok, c'est le cuisinier. Ok, je viens de finir de débloquer sûrement la santé. Ah, de rien le coup là, tu vas pas dormir ce soir. Il a moins 75%, il est descendu à moins 85 je crois l'autre jour. Il était à 4 euros. Pop, 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 pop. Donc là, j'ai la santé qui est approuvée. Donc, dans le personnel, je vais pouvoir prendre un médecin. Allez, je prends un médecin. Et je vais prendre un gardien supplémentaire. Parce que là. Peut-être aussi un ouvrier, là, ils ont du boulot. Tac. Je vais prendre un ouvrier supplémentaire. Et maintenant, je peux donc construire la salle médicale. Alors, normalement, infirmerie, c'est ça. Donc, intérieur, chambre médicale. Pas bien grave si c'est pas trop grand. Donc là, bâtiment, on va la mettre où à côté de la douche. Ok, ça va être l'infirmerie. Ok, cellule, c'est... Non, ça va jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Après, c'est la cantine. Ils sont tous en cellule. On va quand même envoyer un gardien.
histoire de voir. Putain, mais il est où mon mec là? Ah, c'est bon, il est là. J'ai eu peur. Oh. On va le fouiller, allez. J'ordonne une fouille, allez, viens là. Eh, qu'est-ce que tu caches? Ouais, je me méfie. Donc là, ah oui, ça nécessite une entrée, c'est pas faux. On le mettra après. Entrée, entrée, entrée. Pop. Salut, Perse. Voilà. Je sais pas pourquoi il y en a un qui patrouille dans la cantine, franchement ça sert à rien. Va plutôt patrouiller dans la prison que. Donc là il y a les mecs qui se reposent. Il y a le toubib qui se promène. Ok, c'est construit. Oui c'est construit, sauf qu'il manque juste. Enfin les murs sont barbelés, mais bon. Soit. De briques, ce sera quand même mieux, hein. Ah, c'est l'heure de la cantine. Je crois que les mecs ont un peu la dalle en fait. C'est l'heure de la cantine depuis 1 heure déjà. Et putain, mais allez les chercher là. Oh! Ils sont où? Ah, mais ils sont. Ah, non, mais en fait, j'avais pas fait gaffe, y en a un qui allait déjà aller les chercher. J'ai rien dit! J'ai rien dit, ils ont tous bouffé. Est-ce que t'as volé un couteau, toi? Viens là! Ah, rien volé. Ok, ça va bien alors. Pas d'émeute. Il y a juste un mec qui a envie de drogue. Bon. C'est pas bien grave. Ok, là c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Salle là, c'est une infirmerie ça. Et il faut chambre médicale. Objet. J'ai peut-être vu un peu gros pour l'instant. On va mettre. Allez. 3 lits, allez. J'ai de l'argent. Ça se passe bien pour l'instant. Allez, va ouvrir le gardien. J'ai débloqué le psy ou pas encore? Ça se voit où attendez. Non, encore 1h33 avant de débloquer le psy. Va ouvrir toi. Donc là j'ai dû débloquer le psy je suppose ou pas, non je sais pas ce que c'était ce bruit en fait. Bon. Ok, tout le monde en cellule, parfait. 1 heure de cellule après un cours. Ok, là c'est l'heure de la balade. Sympa, ils ont des bandes en muscu. Attends, j'étais assez sympa là. Recreation, recreation. Ok, s'exerce.
Donc apparemment, il y en a un, lui, il doit lui manquer sa famille, l'autre des drugs, l'autre recreation. Ou alors, je suis gentil là. Alors, je leur fous deux cabines téléphoniques. Un bain de muscu supplémentaire. Et une table de billard. C'est avec ça, ils sont pas contents. Ah, il n'y a pas de jus dans l'infirmerie. Service, oui, effectivement. Câble. Ok, je leur ai installé des cabines téléphoniques, vous pouvez les utiliser les mecs. Hein. Voilà, ils jouent au billard. Voilà, ils appellent la famille, parfait, parfait. La douche est un peu sale. Hein. J'aurais peut-être dû faire l'entretien en fait. Alors, je suis à combien la capacité? 14. Oh, bah, il me manque juste un bloc et comme ça je vais débloquer 20 000 supplémentaires. Je vais le faire de suite. Hein. Et une porte. Elle a la gueule ma prison là. Ou pas? Quelle heure il est? Bientôt l'heure d'aller en cellule. Bon, je suis gentil. Je fais que de la cour avant la cantine. Et allez, parce que j'ai de l'argent, je vais mettre une cabine téléphonique supplémentaire. Voilà, comme ça, ils pourront appeler leur famille. J'ai débloqué le psy, toujours pas personnel. Oh, j'ai le psy. Alors, qu'est-ce que ça va bien, le psy? Donc comme ça maintenant je peux voir en fait de quoi ils ont besoin. Donc besoin, confort, plus plus. Il a besoin d'uriner, gros besoin, confort. Ouais. Gros besoin religion, gros besoin drogue. Ouais mais non, drogue c'est les médicaments, enfin je sais pas si c'est vraiment. Confort, lui tout va bien. Confort, religion, ouais bah religion, ouais. Démerde-toi. Hein. C'est l'heure de la cantoche. Ok, maintenant, il me manque mettre lit. Et chiottes. Et juste salle, cellule. Et on va passer à 15. Comme ça, je vais avoir mon objectif. Allez à la bouffe. Prendre un plateau. Putain, c'est vraiment dégueulasse par contre la cantoche. Faut vraiment que je débloque l'entretien là. Ouais, faut vraiment que je débloque la maintenance parce que là c'est dégueulasse.
Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Donc ça, c'est le bureau de psychologue, donc au cas où s'il y en a qui veulent aller le voir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, oui, c'est normal, il n'y a pas d'eau. Comment je vais faire? Allez, je vais tirer un tuyau comme ça. Ah, faut que j'embauche deux médecins, ouais, j'ai pas fait gaffe. Ok, bah, deux médecins, voilà. Ça, c'est fait. Il y a un du personnel qui est épuisé, bah, va te reposer. Deux visiteurs qui attendent au parloir, bah, on verra un autre jour, hein. Ouais, va ouvrir. On va aller par là. Ah, il y a Mac Collet qui fait affaire caca. Je crois qu'en fait ils ont tous un gros besoin. Il faudrait que je les mette en cellule plus souvent. Parce qu'ils ont tous des envies de caca. On va juste le fouiller quand même, hein, parce que lui. Il est dangereux donc. On va juste donc douche cellule. Cours. Comment on va faire? Donc là il n'y a rien à cellule niveau manger, il retourne en cellule. On va faire un retour en cellule avant la cantine. Allez, on va mettre la cour le matin. Et ouais, ils ont envie de faire caca, hein, parce que la cantine, en fait, ils peuvent pas faire caca dans la cour non plus, donc ils ont envie. Hein. Ok, donc j'ai mon infirmerie avec mes deux toubibs, j'ai mon psy qui me dit à quoi pensent les détenus. Donc apparemment, ils ont besoin de littérature, de confort, de littérature, de littérature. Putain, ils veulent tous de la littérature, waouh! Lui, il veut du confort. Quand est-ce que j'ai débloqué 3 heures avant la maintenance? Donc comme ça, je vais pouvoir mettre des objectifs supplémentaires qui entretiennent la prison. Et droit de visite. Si je suis gentil, dans les objets, il me semble qu'il y a une étagère à livres. Donc, c'est qui a une envie de littérature là? Religion. Toi, t'as besoin de littérature. Donc, toi. Confort. Littérature. Bon, allez. Je suis sympa, ça coûte que 30 dollars. Voilà. Je suis trop gentil. Donc dans 7 heures, il y a 5 prisonniers de sécurité maximale qui arrivent. On va rigoler. On va rigoler, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pile assez. Bon, ils ont pas sommeil là, c'est 1 heure du mat. Oh, pioncez les mecs. Putain, les mecs ils sont coincés avec les. Bon, alors l'ouvrier il est un peu coincé avec le. Avec Scott là. J'espère qu'il est gentil, hein. Putain, les cellules sont dégueulasses. Je crois qu'ils vont commencer à se plaindre.
Donc ils sont tous sortis, ça a l'air d'être bon. Trésorerie plus 653 par jour. Moi je suis toujours en positif, mais il faudrait penser à se faire de l'argent. Alors j'ai débloqué, j'ai dé... Non, j'ai pas toujours pas débloqué la maintenance. Ok, ils sont en train de pioncer les mecs. Ouais, par terre c'est de la saleté, ouais, mais j'ai pas débloqué l'entretien et je pense qu'ils vont râler si je nettoie pas en fait. Ok, j'ai débloqué la maintenance. Maintenant il faut que je débloque le nettoyage. Nettoyage. Ok, nettoyage, c'est 2006 heures. Ça c'est le jardinier, donc on verra plus tard le jardinier, mais ça on va quand même mettre des mecs de ménage. Non, maintenant il faut que j'embauche un contremaître, mais le contremaître il veut un bureau. Alors un bureau c'est combien déjà? Bureau c'est 4 par 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on peut faire. Merde, là c'est 3. Ouais, je peux faire un bureau là. Mur. But. Allez, bah, le psychologue, il faudra qu'il passe par le bureau du contremaître. Hein. Quoique non, je peux mettre une porte. Je mets une porte ici. Une porte ici. Et je démonte ici. Ah putain là. Bon bah elle a plus rien, elle a pas pu sortir. Et hop, là par contre on va mettre un mur. Alors, bureau, là c'est un bureau. Quand ça t'a une mignole. Ah putain, ça fait pas 4 en longueur, ah fait chier. Ah merde. J'ai mal fait mon truc. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démolir ce mur comme ça. Ça agrandira la zone. Sale. Salle. Non, pas salle commune, je m'en fous. Salle du personnel. Ok, il y aura deux portes, mais. Si, je sais ce que je vais faire. Tac. Donc, on va démonter cette porte et mettre un mur. Ah, c'est vrai que le bureau du psy il est un peu grand, hein. Alors que le bureau du directeur c'est une merde. Bon, pas grave. Donc ils pioncent tous, tout va bien. La sécurité arrive, les prisonniers arrivent dans 2h45. Ok, là je vais faire un mur après. On va envoyer un mec dans la prison histoire de voir si que tout se passe bien. Ok, maintenant il a fini d'enlever. Mur de briques. Donc là 4 par 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là 3 et 5. Ok.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ça sera deux bureaux. Bon, pas l'air de s'évader. Les cuisiniers, tout est prêt en cuisine, ils ont reçu la bouffe. J'ai pas débloqué le nettoyage, j'ai pas lancé le... Si. Ok, ça avance pas, mais... Ah putain, j'ai pas mis de porte, ils sont bloqués les cons. Porte, porte, porte. Porte. Mec, il panique. Merde, merde, je peux pas sortir! C'est bon. Alors, maintenant je peux en faire des bureaux. Alors, bureau, 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 bureau. Ok, bureau, chaise, classeur, il faut maintenant. Bureau, la chaise et le classeur. Alors, 35 minutes avant l'arrivée des prisonniers. Donc maintenant, personnel, je peux prendre un contremaître qui va avoir un bureau juste pour lui. Alors, toi, tu vas là, tu vas chercher le prisonnier. Et toi, tu commences à aller là parce que c'est l'heure de la douche. Et toi, tu vas là aussi. Ok, ils sont déjà tous prêts à partir là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin? Hygiène, 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 drogue, spiritualité. Hygiène, hygiène. Ok. Ouais, c'est l'heure de la douche, là, donc hygiène, c'est bon. Bon, c'est un peu sale chez vous. Ok. J'ai commencé à embaucher des hommes de ménage. Hein. Ah, on va ouvrir. Allez, tous à poil. Pendant ce temps, ils viennent de se pointer, les mecs. Donc là, c'est les prisonniers. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'on en a voilà main armée. Merde, ça c'est l'ouvrier. King Flash Reaper Killian. Ok, coups et blessures, agression, 22 ans. Ok, des bons gros. Christopher Headland, est-ce qu'on a une tentative de meurtre, agression? Oh putain, on va s'amuser avec ces mecs. Tentative de meurtre, émeute, dégradation volontaire, agression armée, faux témoignage. Ouh, ça va être bien. Alors, donc débloquer entretien des terrains grâce à l'administration, faut embaucher deux concierges et un jardinier après. Mais il faut que je débloque les trucs d'abord. Pendant ce temps, les mecs se reposent, je peux construire une salle de visite. Alors, une salle de visite intérieure, table des visiteurs, ok. En fondation, on va faire une salle de visite ici. Et une entrée. Une entrée. Une grande porte de prison. Et il faut que je mette 5 cabines téléphoniques aussi, donc ça va être simple. Cabine, cabine, cabine.
Hop, on va les mettre là. Et il faut faire une salle commune après avec des téléviseurs. Voilà, la salle commune, on verra plus tard. Ok, allez, c'est l'heure de la douche. Là, ils vont dans la cour. Ça va s'entretuer dans la cour, mais entre les mecs de sécurité minimale qui vont se mélanger à ceux qui font des agressions à main armée, ça va être chaud là. Je sens que ça va être chaud. Faudrait peut-être que j'instaure des horaires séparés de cours en fonction des mecs. Voilà, faut que je mette des murs. Hop. Bon, ils vont. C'est pas de bataille encore. Ça va, pas d'émeute. Tranquille. Bon, j'ai toujours pas débloqué le nettoyage. Hein. Ça commence à devenir de plus en plus crade. Les mecs, on construit le mur ou ça avance là? Ok. Alors, salle. Salle. Non, salle des visites. Il faut. Table de visiteur. Objet. Ah tiens, j'aurais pu mettre des bouches d'égout là. Parce qu'à chaque fois, ça coule après. Je fais quoi? Table de visiteur, voilà. Et une belle salle commune. Bon, il n'y a pas d'électricité par contre. Alors maintenant je dois pouvoir. Non. Non, c'est pas dans l'agenda ça en fait. Oh putain, il y a tous mes mecs qui attendent là. Ah, je crois qu'ils ont envie de pisser là. C'est le moment de faire les besoins. C'est l'heure du caca. It's caca time. Ah, il a 83%. Ah, l'heure de la bouffe. Quelle heure? 22h45. Ouais, vers 23h, on s'arrêtera. Pour l'instant, pas d'émeute. Hein. Je suis désolé, je gère bien ma prison. C'est ça? Ah putain, c'est les visiteurs! Ok. Mais vos mecs sont en train de bouffer donc. 7 sur 6 en 3 groupes, ouais. Ah merde, par contre, on va peut-être clore les. Parce que là, j'ai plus de mecs donc. Ah, de la visite, ok. Bon bah ceux qui ont de la visite, ça c'est parti. Ah, je crois que j'ai débloqué l'entre la nettoyage. Donc pop pop pop, je peux embaucher deux concierges. Ouais, vu le boulot qu'il y a, j'en prends un troisième. Il y aura de quoi faire là.
Mais ouais, les visiteurs qui passent par la cour, pas sûr que ça soit top. Alors, ok, là c'est fini, c'est l'heure des cellules. Bon, ils sont passés où mes mecs de l'entretien là? Ah, c'est bon, ils bossent là. Oh, ils bossent bien là. Bon, ils font le bureau du directeur, mais... Ok, ils font du bon boulot. Par contre, maintenant, il faut que je fasse l'entretien pour embaucher un jardinier. De quoi, je vais pas les faire rejoindre la famille? Non, mais là, c'est bon. Mais comment ils passent par là? Oh, l'entrée, elle est pas là! Ça, c'est pas l'entrée normalement, là c'est la zone de stockage. C'est pas pour les visiteurs là. Ah, je crois que c'est l'heure de. Attends, toi tu vas là. Y a plus personne là? Non, c'est l'heure d'être bon. Faudra que je mette des caméras de surveillance, mais je crois que je les ai pas débloquées encore. Ouais, ces CCTV sont pas débloqués. Il faut que je débloque la surveillance. Par contre, détecteur de métaux, une morgue, mais pour l'instant, ouais, à chaque fois ils prennent le chemin le plus court, ouais, c'est ça, mais je sais pas comment ça marche le détecteur de métaux. CCTV moniteur, écoute téléphonique, planche à repasser, canapé. Distributeur de boissons. Tiens, on va foutre un détecteur de métaux. À la sortie de la cantine. Et là. Je suis en train de me ruiner, mais je sens que. Quoi que aussi à la sortie des. On sait pas ce qu'ils ont pris là. S'il faut, ils filent des armes les visiteurs. Bon, c'est cool, ils font du bon boulot, mais mes nettoyeurs là. Ajuster au moins deux téléviseurs. Bon, sinon, on va foutre les téléviseurs là. Allez, dans la cour la télé. Bon, la salle commune, je verrai plus tard. Ah, il n'y a pas d'électricité. Ça va, pas de fatigué. Les repas sont prêts. C'est juste un peu sale, mais bon. Il y a mes mecs qui bossent. Pas d'émeute, tout se passe bien. Ils veulent juste un peu de spiritualité. Commence à avoir de l'herbe qui pousse. Allez, mettez en place le portique de sécurité. Voilà, les portiques marchent.
Normal que ça sonne autant là. Je le sens pas trop là. Ah! Lui il s'est fait blesser là je crois. Je crois qu'il s'est battu. J'ai une infirmerie pourtant. Il s'est fait un peu tabasser. Par contre, la spiritualité, comment je chope ça moi? Psychologie, armurerie. Politique. Je sais comment créer des armes, mais alors la spiritualité. Je sais pas comment leur filer moi ça. Travail. Je leur file un boulot, ça va leur faire la santé, tu vas voir. La spiritualité, on l'a trouvé là-dedans. Ah oui, il faut peut-être un gardien là. Isolement, 2 heures. Voilà, bien fait pour ta gueule, toi. Bon, on va le soigner quand même. Ok, il est soigné, mais il a un isolement. Oh, toi, va le chercher là. T'as pas le droit de bouffer. T'es con, hein? Ah merde, j'ai pas mis. Merde, c'est pas les urgences. Hop, comme ça. J'ai vu dans l'icône de construction chapelle, tu dis? Salle. Placard de nettoyage. Ah, tiens, je peux faire un placard de nettoyage? Bah, je pourrais en faire un là-bas. Salle du personnel. Chapelle, ah oui, une chapelle. Ouais, mais. Ouais, on verra. C'est pas la priorité d'une prison. Ouais. Ils sont en toi, là, c'est pas le Club Med. Merde, c'est vrai qu'il y a plus de jus pour les télés quoi. Tu fais bien de le dire, j'avais même pas fait gaffe quoi. Ah merde, il lui faut un gardien lui, parce qu'il comme un con, il attend. Ils auront de belles cellules toutes propres, mais mec. On commence à avoir de plus en plus de. On va embaucher un gardien supplémentaire. Y aura un mec qui aura pas bouffé. Et c'est pas grave. Oh. Ah, y en a qui ont piqué des couverts là. Ouais, bâtard. Allez, fouille! Tu te prends une bonne fouille. Ah, mais il y en a plusieurs en plus. Putain. Ah, les bâtards. Ta ta ta. J'ai bien fait de foutre des portiques. Hein. Ah, il en manque là. Attends, il en manque pas un là. J'en ai combien? 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh non, j'ai rien dit. Non, j'ai 14 sur 15, mais ok, c'est normal. Mais ils avaient volé des trucs, hein, putain! Non, 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 non. Donc les autres, ils voulaient un placard de concierge à un moment. C'est quoi le placard de concierge? Placard de nettoyage, 3x3. Ok, s'ils veulent. On va leur foutre un dans le coin.
Et hop, salle. Je sais pas à quoi ça sert, mais. Non, 14 sur 15, c'est que j'ai 15 places maximales et j'ai 14 prisonniers. C'est pas qu'il y en a un qui s'est évadé. Parce que là, j'ai 15 cellules là-dedans. Bon, est-ce qu'on leur fait une chapelle? Allez, on va faire une chapelle. Faire la chapelle ici. Par contre, je vais rajouter des condensateurs avant d'être en surcharge. Pas trop envie que le plomb y saute. Bon, ils sont où mes nettoyeurs là? Parce que la cantine, ça en aurait quand même bien besoin là. Ah, là c'est fini, je peux recruter un jardinier maintenant. Jardinier, jardinier, un jardinier. Et je gagne 5 000 $. La salle commune, où c'est qu'on va la faire la salle commune? Peut-être ici. Ou peut-être plus loin. Je vais laisser un petit passage quand même. Je vais voir. Oula. On va d'abord finir ça. Ok, une entrée. Alors, une entrée. Grande porte. Une entrée. Ouais, j'ai un personnel épuisé, mais automatiquement. Ah, on atteint de placement à l'isolement. Ah, faut que je fasse une truc d'isolement. Ok. Ok. Isolement, c'est quoi? C'est l'isolement. Clos. Et c'est tout. D'accord. D'accord. Bah, l'isolement, on va la foutre en plein milieu. Voilà. Ok, là c'est fait les fondations. Par contre, il y a juste mettre un mur et une chapelle. Prions le Seigneur. Autel, banc d'église et tapis de prière. Ah, c'est multiculturel. Un hôtel. Ok. Et les tapis de prière. On va les foutre dans un coin, ça prendra moins de place. Hein. Ok, nécessite une entrée. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un mur de briques. Ah merde, c'est parce qu'il veut pas finir de construire. Alors, isolement, isolement. On va foutre une porte blindée. Ça, tu partiras pas. Oh, il fait quoi là? 2 jours sans qualité cellule 2 normale. Hop hop oh. Il va où lui? Libéré? Ah, t'as purgé ta peine apparemment. Bon bah il se barre pas par l'entrée principale mais bon. Tu as l'air d'être libre.
Au revoir. Mec, il se casse. J'espère que c'était vrai. Ok, ça c'est bon. Alors, mur. Font pas la même taille, c'est pas grave. Il y en aura encore un peu plus de place. Ou pas, voilà, on va faire comme ça. Donc je suis bien passé à 13 sur 15. Ah ouais, ça fait un peu bizarre le mur, c'est pas grave. Alors, salle là. Cellule d'isolement. Ok, tout tourne. Tout va bien. Ah, y a pas de chute par contre. Donc lui, allez hop, à l'isolement. Oh, trou. Voilà. Pour la peine. Donc tout a l'air d'aller, ils ont de la spiritualité. Cellule 30, travail. Ok. Quoique je pourrais mettre un peu de temps libre en fait. On va avoir temps libre à la place de la cour le matin. La chapelle est prête. Il faut encore que je construise une seule commune. On va la faire où la seule commune? Allez, t'es zoom. Ok. Grande porte. Ok, ça c'est bon. Donc il y en a deux qui sont épuisés. Le psychologue se repose, il a vachement bossé. Lui, il est fatigué, il se repose aussi. Ah, lui va le chercher, il sort d'isolement. Je sais pas si je peux les priver de sommeil. Ouais, je crois que tu peux les priver de sommeil. En fait, tu vires tout ça, t'enlèves le sommeil, mais après ils vont râler, ils vont faire des émeutes en fait. Et ils vont vouloir s'évader, tuer les mecs, les gardiens. Sinon, on peut faire un test. Hein. Je sauvegarde ma partie et maintenant on pourrit leurs conditions. On leur fait plus pisser, on les fait plus dormir et on va voir ce que ça donne. Il est 23h06, on peut tenter ça. Pour finir le stream. Donc là, les fondations sont finies. Je vais juste faire la salle commune.
l'électricité plus tard. Ah, c'est l'heure de la douche. Non, ils veulent aller en haut. Ah, la douche. Putain, mais comment il... Il y en a un qui a réussi à... Je sais même pas où il a chopé le truc, mais bon, c'est pas grave. Allez, douche. Ah, ça c'est les visiteurs qui arrivent. Déjà, c'est fini la douche. Ah, rentrez. Donc là, toi, t'as le droit d'aller voir ta famille. Donc les cuisines sont propres, la cantine est propre, tout va bien. Donc je sauvegarde ma partie. 2. C'est ma deuxième partie. Et maintenant, nous passons en mode Guantanamo. Donc tu as une cantine par jour. On va les enfermer dans la cour. Une cantine ou deux par jour. Cour, cour, cour. Pas de sommeil. Comment on va faire ça? Un peu de cantine quand même. Cour, cour, cour. On va les enfermer dans la cour. Cantine. Puis temps libre. Voyons ce que ça donne. Merde. Voilà le temps libre à 3h du mat. Et une cantine à 7 à 8. Ouais non, fais chier, c'est Guantanamo. On va voir ce que ça donne. On va finir le stream en faisant Guantanamo. Ouais, je peux les priver de caca, puisque si je les envoie pas dans leur cellule, ils pourront pas faire caca. Et bah, vu que là, c'est court, cantine, temps libre. Donc, ils mangent, ils sont dehors. Je sais pas s'ils pourront aller dans leur cellule. Travail, je sais pas ce que ça va faire. Et court. Sinon, on va les enfermer H24 dans la cour, et on va voir ce que ça donne. Maintenant, travail, en fait, ils retournent dans leur cellule, y a rien, et ils font caca. Ah mais c'est nul en fait. Bon ben... Cours, cours. Cours, cours, cours. Cours, 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 cours. Cours, 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 cours. Et une douche à 4h du mat. Comme ça ils feront caca dans la douche. Donc là, ils ont cours jusqu'à 8h du soir. Donc on va accélérer un peu. Hein. Ouais, là je peux loquer l'accès aux cellules. En fait, je fais mode porte fermée. Et là, plus de caca. Et là, porte fermée. Je vous emmerde, démerdez-vous. Alors là, on va voir combien de temps le gardien survit. Donc là, est-ce qu'il commence à avoir envie de faire besoin, avoir envie de faire caca? Il y en a plein qui étaient là-bas, au fait. Ils sont combien là? Ils sont tous là. Non, ils ont dû. C'est bon, ils doivent tous être là. Je vais quand même vérifier. Ah, c'est bon, il n'y a personne.
Donc là, ils ont tous envie de faire un gros besoin. Uriner, gros besoin. Ah ah, ça commence. On va voir combien de temps il faut avant de lancer une insurrection. Incontrôlable. Ah, ça commence à venir. Fort. Bon, ça avance pas trop vite, il se frappe pas encore. Ah, j'ai pas que des petits bras quand même, j'ai 6 de sécurité maximale. Attends, les mecs à faible risque, ils vont se faire violer à ce rythme-là. Food. Ah, il commence à avoir faim, avoir envie de faire caca. Oh, c'est quand qu'ils s'entretuent là? Ah, lui commence à... Besoin. Foot! Ah, ils ont la dalle là, ça commence. Ah ah, orage. Commence à pas être content. C'est quand que je l'ai fait bouffer bientôt? Ouais, ils commencent à s'énerver là, les mecs. Ouh là là! Ah là! Ah, ça commence à s'énerver! Ah, je crois que c'est l'heure de la cantine. Oh putain, ils ont la dalle. Je crois qu'il n'y a pas assez à bouffer pour tout le monde en plus. Ah ah! Ils commencent à s'énerver, les mecs. Il y en a un qui est parti à l'isolement déjà. Personnel blessé. Allez, fais-toi fouiller, toi. Fatigué, non, ils l'ont pas blessé. Je sais pas, il y en a un qui est blessé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Escorte prisonnier à holding cell, confinement. Ah oui, il le fout dans la cellule là-bas. Ok. Ah putain, il fait caca lui, il a de la chance. Ah, le bâtard. Bon, par contre, confort. Il a affamé quoi. Bon, il y en a un qui a fait caca, il était chanceux. Oh là, il se passe quoi là? Ah, oui. Il s'enfuit, il tente de s'enfuir. Oh la fight, ça se fight, ça se fight. Donc il y en a un qui est fatigué, un qui est blessé. Et il se part directement en confinement. Lui, il est chaud là. Donc par contre, pour éviter qu'il revienne, on va bloquer la porte, comme ça il fera pas caca. Il n'y a pas de chiottes dans le confinement. Alors là, non, on va virer la douche. Il n'y a plus rien, on va les enfermer dans la cour. Et on va les laisser s'exciter.
Ah, il soigne un plus, putain, trop gentil. Là, ça devrait commencer à s'énerver. Ah, bah voilà, ça fait pipi partout. Oui, effectivement, ils ont envie d'aller aux chiottes. Non, ils chient sur place en fait. Donc ils sont affamés, ils ont pas d'hygiène, pas de littérature, ils ont gros besoin. Et ils sont fermés. Ah, ça se fight. C'est bon. Ah, il y en a un qui est mort déjà, c'est bon. Mauvaise conduite. Bon, c'est quand qui s'énerve là? Je crois qu'il tape un peu tout. C'est qui commence à taper là? Ah, ça va, il reste sage quoi. Ouais, ils sont assez calmes. Et l'autre, il est toujours là-bas. Ah, bah voilà, fight! Ah, il tente de s'enfuir. Antol! Antol! Bon, il y en a des blessés, des inconscients. Ah, oh, bah ça s'est fighté là aussi. Ça fait à peu près 2 jours qu'ils sont là, en isolement. Je sais pas où il est passé l'autre. Personnel est épuisé. Bon, finalement, ça part moins en couille que ce que je pensais vu qu'ils ont pas d'armes. C'est un peu dommage. Il se passe rien de spécial en fait. Faut vraiment, je pense, en vouloir pour que... pour qu'il se rebelle. Bon, allez, 6 jours. Allez. Allez, on les laisse partir, on va voir, on ouvre la porte, voyons s'ils se barrent. Voyons où est-ce qu'ils vont d'abord. On ouvre toutes les portes. Caca, manger. On va voir où c'est qu'ils vont. Ah, ils bougent pas en fait, ils ont envie de faire caca, mais c'est ouvert, mais ils s'en foutent. L'IA est pas terrible quoi. Attends. Là, j'ai ouvert la porte. Est-ce qu'ils vont s'enfuir? Oh, fight! Voilà. Ah, y'en a un qui s'enfuit là. Ah, y'en a un qui a réussi à s'enfuir. Une évasion. C'est le bordel, c'est le bordel. Ah, y'en a un autre qui s'évade.
Oh, il s'enfuit, là, c'est parti. 2. Fight. Lui, va-t-il réussir à s'enfuir? Non, il est évanoui. Il y en a un autre qui s'enfuit. 3 évasions. Ouais, ouais, faut vraiment y aller quoi pour qu'il se frague. Enfin, si au bout d'un moment il commence à se battre, mais bon. Ouais, je vais m'arrêter là. 23h22. Mais faut y aller quand même pour qu'il se batte et pour qu'il s'enfuit. Hein. Mais faudrait que je vois, mettant plus de prisonniers de sécurité maximale, je pense qu'il y a moyen d'avoir des fights. Mais voilà. On voit quand même qu'ils ont envie de faire caca. Et après, sinon, ils sont confinés et. Et il faut vite répondre à leurs besoins, c'est un peu comme les Sims quoi. Bon, m'arrêter là. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour ce soir. J'espère que ça vous a donné envie d'acheter Prison Architect, qui était à 4 € sur Steam l'autre jour, qui repassera peut-être à ce prix-là dans pas longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous dis à la semaine prochaine pour un stream de Batman Arkham. C'est lequel celui-là? Arkham Knight, le dernier, qui devrait sortir mardi. Donc j'essaierai de faire un stream mardi. Si j'ai reçu ma clé et que j'ai eu le temps de le télécharger, c'est pas gagné. Donc au pire, ça sera mardi ou mercredi, j'espère. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette découverte de Prison Architect où je débutais assez puisque j'avais que 2 ou 3 heures de jeu derrière. Mais voilà, ça s'est assez bien passé. Donc voilà, merci à tous, salut à tous et bonne nuit, à la semaine prochaine, salut!